Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil Opération Raccoon City. Donc pour la deuxième partie du scénario des Spec Ops. Donc j'espère que ça se passera un petit peu mieux que la dernière fois. Parce qu'avec le Nemesis j'avais quand même pas mal galéré pour le chapitre 1. Donc le chapitre œil du cyclone. Donc on va attaquer le deuxième, suivez les cadavres. Et là on doit aller où? À l'hôtel de ville, d'accord. Ah oui, il me semble que cette mission-là, elle est assez hardcore aussi. Et il me semble qu'elle est pas tip-top non plus. Hein. Mais c'est vrai que les premières missions, elles sont vraiment pas terribles. Enfin, après, quand je dis pas terrible, c'est pas que c'est nul, mais... Sans plus, quoi. Franchement, c'est voilà, c'est du militaire bête et méchant, faut remplir les objectifs. Et ça, c'est pas trop ce que j'aime en général. Et encore moins dans un Resident Evil, évidemment, vous doutez bien. Donc c'est pour ça que je trouve pas ça terrible, mais après c'est pas nul non plus, mais c'est pas terrible. Donc en tout cas j'espère que... Normalement je crois après ce chapitre là, ça devrait être pas mal. Ou si c'est pas le chapitre suivant, ça sera dans deux chapitres. Mais les derniers sont vraiment sympas, il y a vraiment des trucs originaux qu'ils auraient pu, pu penser faire avant, si vous voulez. Enfin c'est pas trop français ce que je dis, mais... Si vous voulez, il y a des bonnes idées qu'ils ont faites, bah c'est tant mieux, hein, mais limite ils auraient pu les faire avant parce que c'était vraiment des très bonnes idées pour d'autres héros qu'ils auraient pu faire bien avant celui-là, quoi. Les rapports prouvant l'implication d'Umbrella dans la fabrication d'armes biologiques sont de plus en plus nombreux. Echo 6, marchez jusqu'à l'hôtel de ville pour récupérer des infos sur l'emplacement des labos d'Umbrella. Voilà, donc c'est reparti, donc là c'est vraiment zone de guerre, barricade et tout. Donc nous ce qu'on doit faire, on doit retenir ça pour construire des barricades. Et comme ça les zombies ne pourront pas passer. On va le faire à plusieurs endroits. Il faut faire attention à ne pas être gêné quand on fait les barricades, sinon ça nous empêche de les faire. Hein. Si on se fait attaquer, ça annule le truc. Et vu que c'est assez long à tenir, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà. Donc il y en a 5 en tout à faire. Donc, il y en a une ici. Ah merde. Ah ça va, c'est rapide à faire celle-là. Et la dernière, elle est quelque part. Elle doit être là-bas. Voilà, c'est bon. Alors j'ai lancé une grenade, j'ai dû l'envoyer bien loin parce que je l'ai pas vu péter là. Donc pour l'instant ça va, mais si c'est ce que je pense, c'est une mission qui est assez dure dans l'ensemble. Protégez ce survivant, il a peut-être des informations utiles. C'est ce qu'on va faire, donc si vous l'avez pas reconnu, je vais pas vous le dire parce que il va dire son nom d'ici quelques secondes. Donc avec le fusil à pompe, ça aide vite fait. Hein. Ah, j'ai pas de chance, je me fais choper par un Crimson. Je sais même pas où il est, hein. Ah, il est là. Quoi? Oh.
la grosse blague. C'est la première fois que je le fais avoir par ce truc-là. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup un scénario, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir laissé crever la dernière fois. Ou c'est peut-être moi qui lui a fait des dégâts, je sais pas. Ah, c'est vrai qu'après il est au corps à corps, donc c'est chaud. Mais il est con aussi, il a plus de balles, et il prend quand même son flingue, c'est terrible ça. Bon, je reste à côté de lui là, je veux pas qu'il meure. Je m'appelle Carlos. Merci d'avoir sauvé ma peau. Pas de problème. T'es tout seul ? Non. Mais j'ai été séparé de mon équipe dans l'hôtel de ville. On essayait de sauver des civils. C'est là où on va. Quand j'en suis parti, des soldats étaient en train d'installer des explosifs un peu partout. On va s'occuper d'eux. Toi, va te mettre à l'abri. Écho 6, allez à l'hôtel de ville et désamorcez les bombes que ces soldats ont posées. Donc voilà, je pense que vous l'avez reconnu maintenant, c'est Carlos Oliveira. Bon, je pense que vous l'avez reconnu avant. Même si esthétiquement, on a l'impression qu'il a été un peu trop McDo là, mais c'est un peu bizarre, je trouve. Parce que dans Resident Evil 3, on le voit pas forcément, parce que dans le modèle en jeu, bon, il a pas beaucoup de polygones, donc il ressemble pas forcément à grand chose. Mais dans les cinématiques, il fait un peu plus typé, et il est un peu plus mince que ça quand même. Tu vois, là, ils ont peut-être voulu donner un côté un peu baraque, mais ça fait un peu l'inverse, je trouve. On a l'impression qu'il a un peu été. On a l'impression qu'il se nourrit au McDo, quoi, le gars. C'est un peu spécial. Mais sinon, ça fait quand même plaisir de le revoir. Plutôt sympa. Original. Pour un personnage, quand même, qui est extra secondaire. Hein. Écho 6, ce sont encore les soldats d'Umbrella. Ce sont eux qui posent les bombes. Arrêtez-les. Baissez-vous! Ne vous faites pas repérer! Là, c'est chose qu'il y a quand même pas mal d'ennemis. On va essayer de s'approcher petit à petit. En plus, on voit pas trop où ils sont. Je crois qu'il y a des snipers. Hop, voilà, là je suis à couvert. Ouais, je me doutais bien qu'il était planqué, je le voyais pas depuis un moment, mais je me suis dit mourir aussi facilement, j'y crois pas trop. Voilà, je pense que ça doit être bon. Moi, je sais pas ce qu'ils font, ils passent devant moi. Bon, tant mieux. Hein. Hop, je mets main invisible. Ah, j'ai plus de vie là. Y'a pas de spray? Non, me tue pas, me tue pas. Ah putain, mais l'autre qui se fout devant, la conne. Oh. J'aurais mis une cartouche, c'était bon. Celui qui soit à terre, il m'attaque plus. Ce sont encore les soldats d'Umbrella. Oh, je suis deg. J'avais tout bien géré là. Baissez-vous, ne vous faites pas repérer. Enfin bon, j'avais pas utilisé la meilleure technique, mais bon voilà, quoi, ça, j'ai avancé quand même. Bon, moi je fonce dans le tas parce que là ils m'ont saoulé. Mais c'est bizarre, il n'y avait aucun spray quoi. Je voulais vraiment que je crève. Hop, je vais me mettre là.
coucou. Les snipers, j'essaie de les avoir au flingue. Pas très précis hein, quand on tire comme ça. Boum. Même pas mort. Là, on y va en force, hein. Franchement, rien à foutre, mode bourrin. Il a failli me tuer lui encore. Je me sens pas super. Alors je sais pas pourquoi ils disent de se mettre là alors qu'il y a rien. A mon avis il faut plus entrer à l'intérieur je pense. Non même pas. Ah donc faut forcément se débarrasser des gus en haut. C'est ce que j'ai plus de vie. C'est la merde. Bon, je vais ranimer mes potes. Tac. Je vais attendre un peu, je vais aller chercher l'herbe verte et me débarrasser des derniers. À moins que c'est eux qui vont le faire, mais j'ai un doute. Ils ont pas l'air d'être très doués. Ah, il y en a un qui est mort déjà. Ah, je peux pas les toucher. Après, c'est un peu de ma faute. Hein. Là, je sais très bien pourquoi je suis confronté à ce genre de problème, hein, mais c'est parce que je fonce dans le tas. Attention, ça va sauter. Bon, il en reste plus qu'un, apparemment. Ah, je suis bloqué. C'est bon. Dans l'hôtel de ville, ça y est. La salle des archives. Dans la section des plans, récupérez tout ce qui pourrait s'apparenter à des labos d'Umbrella. Désamorcez aussi des bombes que vous verrez. Allez, c'est parti. Ils brûlent des documents. Ce sont sûrement des preuves impliquant Umbrella et leur laboratoire. Tout ce qui reste va partir en fumée si vous ne désamorcez pas vite ces bombes. Donc on prend notre temps. Parce qu'il y a quand même des documents à prendre. Donc vous vous rappelez de ce tableau, hein. Je vous l'avais dit, normalement c'est... c'est un tableau qu'il y avait dans Code Veronica, il me semble, celui-là. Et celui-là, pareil. Avec le chandelier. C'est normalement, je crois, c'est Alexander Ashford avec le chandelier. Alors, est-ce qu'il y a des docs à prendre, justement? On a là... un petit PC, pas d'objet. J'ai l'impression que ça doit être la cause du DLC en fait. Le DLC ne doit pas débloquer d'objets, mais il gagne quand même de l'XP quand on en ramasse. J'ai quand même le validé, mais ça rajoute juste de l'XP quoi. C'est que l'histoire principale qui doit débloquer les objets. Donc là, vous reconnaissez les lieux, on a déjà été QSS. Donc là, c'est plutôt repompé hein, pour l'instant. Aïe. On s'est passé à côté. Ah la vache. Oula, il y a du monde, je me casse. Oh, genre. Oula, là, je me casse. Je fais un peu trop le foufou là. Allez, putain, vous voyez là, pour utiliser l'herbe, juste parce qu'il y a l'autre à réanimer à côté. La couvert à l'arrache. Thank you.
Voilà, c'est bon. Là, c'est vraiment la bourre. Hein. Là, vous allez vous dire, c'est complètement bidon, on fonce dans le tas, mais... C'est moi qui fonce dans le tas, on n'est pas obligé de jouer comme ça. Hein. Tac. Ah oui, merde, c'est vrai, ils arrivent là, j'avais oublié ce détail. Là, juste à côté. Voilà. Sacrément coriace, ces USS. Donc ça, c'est bon. On va essayer de faire le... Il n'y a pas grand-chose à apprendre, je pense. Un petit spray. Tiens, voilà. Impeccable. Ça vaut la peine de fouiller, quand même. Bon, les zombies, on s'en fout. C'est quoi, ce bordel? Je suis pas en sandwich. Hein. Ça devrait t'aider. On se calme. Je vais y aller au fin, parce qu'au fusil à pompe, dès qu'on est à mi-portée ou longue portée, ça y est, ça sert plus à rien. Oh bah allez, en même temps, si tu restes devant comme une débile... Je peux rien pour toi. Hein. Je me soigne. Voilà. Là, c'est vraiment très action, hein. Pour ceux qui aiment l'action, là, vous êtes servis. Ça, c'est bon. Au suivant. On a un qui est mort, c'est dit. Ils ont des noms à la con d'ailleurs, je crois. Je vais bien croire qu'ils donnent pas leur vrai nom puisque c'est des unités spéciales, mais bon, leur pseudo, merci. Ça. Alors, il n'y a pas un petit spray ici, on avait tout à l'heure, pourquoi pas là? Pas du tout. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ils sont cachés un peu partout. Là, je suis un petit peu en galère de munitions. Voilà. Voilà, donc vous étonnez pas si je parlais pas, hein, c'est parce que c'était encore le téléphone. Ça m'a pas manqué par contre, c'est affolant quoi, ça sonne toujours autant malheureusement, j'aimerais bien que ça cesse. Alors par contre là je dois descendre, donc l'escalier il est où? Par là. Ah, faut que je redescende en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Ou c'est pas par là? Ah, faut carrément tout redescendre, super. Je me rappelais pas que c'était ça.
Et ils me loupent pas, hein. Je sprint comme ça entre les murs et hop, ils me font des dégâts comme si comme ça, normal. Et ici, j'y avais pas été, mais là, c'est... Ah si, il y a quand même... Il peut y avoir des trucs intéressants. Ouais, bon, allez, on va prendre ça pour changer un peu. Et après, il y a des documents. Tac. Alors, on voit pas trop le reste de la pièce. Mais si vous... Enfin, normalement, vous devez reconnaître. On voit vraiment pas grand-chose, mais on voit qu'il y a une estrade là-bas. Et c'est la salle où il y avait tous les liqueurs quand on était dans le... dans la campagne de l'USS. Tac, un de moins. Deux de moins. Ils sont où les autres? C'est bon, hein. J'ai besoin de trouver un spray parce que là, ça va être chaud après. Peut-être que là-bas, il y en a. Une autre bombe, désamorcée. Ouais, super. Ils arrivent au bon moment, j'ai plus de vie. Comment je fais? Oh là là, ils débarquent partout. Bah, ils vont m'achever. Voilà. Oh la merde. Quand j'ai vu la statue au milieu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, putain, ils débarquent d'en haut. Ah et du coup, je redébarque avec mon fusil à fond. Putain, mais même au corps à corps comme ça, ça devrait leur démonter le ventre. Ça devrait être de la viande hachée et ils se relèvent quand même à bout portant. Quoi. Je veux bien croire qu'ils ont un gilet pare-balles, mais à bout portant, j'y crois pas du tout. Ah, y a du monde là-dedans, je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Hein. Bon, je vais aller me servir en munitions. Ben, ça va, c'est qui me suit là? C'est le planquier. Hop là, dégage. Oh la vache. Oh merde, j'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié lui. Alors lui, c'est un mini-boss en fait. Il a plein de vie. C'est un mini-boss et il est pété de vie, si vous voulez. Sauf que moi, j'ai plus de vie, donc il va y avoir un malaise, quoi. Ouais, bah là, je vais mourir, voilà. Mourir cramé par ma propre grenade. Oh non, mais mort de rire, quoi. Oh, et franchement, je sais pas ce que j'ai, là, mais je joue vraiment comme une grosse merde. Ah là là. Après, je vais me faire une petite pause, parce que c'est vrai que je voulais enchaîner les vidéos, j'en ai déjà fait... Là, ça va être la cinquième. Mais... Non, mais là, après, je crois que je vais faire une petite pause, parce que là, je fais quand même beaucoup de merde. Bon, mal joué de temps en temps, c'est drôle, mais bon, faut pas que ça soit trop abusé quand même. Sinon, c'est pas marrant à regarder. Oh, je vois rien. Super. Une grenade. Je sais. Écartez-vous. Oh, j'ai plus de vie là, je vais mourir encore. Puis y a pas de spray, il y a même pas une herbe. L'autre qui me suit alors que je suis invisible normal, quoi. Ça va. Hein. Oh bah super.
Ah, franchement, être invisible contre eux dans la campagne principale, ça marche. Mais alors là, même le pecno de base, il arrive quand même à vous griller, quoi. M'acharner sur lui, peut-être qu'il va crever plus rapidement. Et ça, ce côté mastodonte, ça me fait un peu penser à Uncharted. Dans Uncharted, c'était surtout le 2 et le 3, il me semble. Il y avait des mecs comme ça qui étaient plus puissants que les autres. Des espèces de mini-boss, quoi. Dans le 1, je sais plus, il me semble pas qu'il y en ait. Je me rappelle plus. Là, ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas s'ils sont inspirés de ça pour les faire, mais... Ah, évidemment, et lui... Abusé, truc. Ah là là... Bon. Je vais me débarrasser de tous les petits merdeux avant. Donc lui déjà c'est pas le bon. Donc lui c'est le méchant. Il n'y a plus de merdeux là comme par hasard. Tout à l'heure on avait plein. Cache pas, garçon, reste là. Non mais, oh là là, mais voilà. Enchaîne-moi, je te dirai rien. Eh, c'est quoi ce lance-flamme, là? D'accord, il y a un mec qui m'a lance-flammé la gueule par derrière, j'ai pas compris. Bon, je vais peut-être arrêter de mourir quand même. Enfin, je pensais en arriver à bout, mais... Avec l'histoire du lance-flamme, ça m'a perturbé ce truc. Voilà. Ah bah ça y est, il est mort le salaud. Il avait la même arme que moi en plus. Tu m'étonnes que ça bourrine cette arme. Donc ça c'est bon, maintenant il reste plus que les petites merdes. Mais là vous voyez, il est mort rapidement. C'est ça qui est... Des fois il y a des trucs comme ça, c'est choquant quoi. Je veux bien qu'ils aient une vie aléatoire d'une partie à l'autre, mais là, il y a des exagérations pas possibles. Bon, ça va peut-être aller, là, non? Bon, moi, je désactive la bombe. Des données à ramasser. Tac. Voilà. Ah, il en reste une à désamorcer encore. Il va y avoir un maximum de bastons ici. Ah, je sais aussi, ça doit être au milieu là où il y avait les liqueurs. Je sais pas s'il y en aura là d'ailleurs. Ouais, ça se situe bien là, comme par hasard. Je vais essayer de la désamorcer en mode incognito, sauf qu'il y a des mines, comme par hasard. Ah putain la vache, les liqueurs non. Ah, il y en a plein en plus. Non mais là je pense que je vais essayer de foncer direct. Ah évidemment ils m'enchaînent direct. Ce sont des zombies mutants. Les zombies mutants, mais y'a que ça ici. Je vais essayer, mais à mon avis je vais crever avant. Ah putain, j'étais presque.
Voilà, je vais avoir toute ma vie, donc je vais essayer de le refaire proprement. On peut pas passer en plus. Ouais, et puis il y a des lasers de chaque côté, hein, donc il y a vraiment pas moyen de passer. Ah, quoique là, il y en a. Ah, si, il y en a, j'ai rien dit. Grosse blague. Ah non, là c'est bon, j'ai réussi à passer. Bon, je me mets en invisible au cas où. Une autre bombe, désamorcez-la. Voilà. Voilà. Super. Ouais, bah évidemment, vu que ça sonne, il débarque quand même. Mais bon, là c'est bon, je vais pouvoir esquiver. Ah, ça c'est cool. Un petit trophée. Ne pas réveiller l'eau qui dort. Je pense qu'il fallait juste tout simplement désactiver sans tout faire péter. Ouais, donc là faut que je fasse le tour. Faut que je me dépêche parce que eux, quand ils ont envie de te choper, ils le font bien comme il faut. Je rattrape mon retard en même temps. C'est vrai que je fonce pas mal, mais. Je dois aller où là? Faut que je fasse le tour là, je crois. Ah oui, c'est par là, je crois. Enfin, j'espère. Mais je suis à combien? Ouais, 31 minutes. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Bon, reste tout seul, toi. Mais là, j'essaye de foncer parce que là, niveau temps, je suis mort je sais pas combien de fois contre le bourrin. Là. Bon, les zombies à shooter, ça va 5 minutes, quoi. On a fait que ça pendant tout le jeu. La salle des archives et les données que nous cherchons sont juste devant. Hop, voilà. Echo 6, fouillez la salle des archives pour découvrir l'emplacement de tous les labos d'Ombrella. Comme ça, ça réanime mes coéquipiers en même temps. Je prends un petit spray. Donc vous voyez, c'est vraiment la même mission, mais à l'inverse, si vous voulez, avec l'USS. Ce l'USS, là, si vous en rappelez pas, fallait tout simplement cramer les archives. Et là, on doit faire l'inverse. Enfin, c'est pas, ça doit être juste les récupérer, mais bon, c'est faire l'inverse de les cramer, quoi. C'est les mettre au grand jour, tout simplement. Ah, ils ont carrément un lance-flamme, là, en plus, je crois. Putain, toi, tu ne crames pas avec ton lance-flamme. Oh, la vache. Bon, ça va, il me shoot à travers l'étagère. Ça fait très très mal le lance-flamme, c'est vraiment un bout portant, mais la vie elle descend super vite. J'ai rien vu venir. Je croyais qu'il y en avait qu'un, mais non, il y en a deux. Voire peut-être plus, je sais pas, mais on verra ça. Le cul-de-sac. Ah la vache, il m'a pas loupé lui. Voilà, ça va, il y a mes potes qui arrivent, ça va m'aider un peu. Ah merde, j'avais oublié cela. Oh putain. Ah, j'avais oublié qu'il y avait une deuxième équipe qui débarquait après. Putain, et décidément, je compte plus les morts. On voit la différence avec les chapitres que je connais et les chapitres que je connais pas. Avant, je mourais une fois, voire deux, je crois. Il y a peut-être un chapitre, je suis mort plus deux fois. Mais là, j'en suis qu'au deuxième et j'accumule les morts.
Mais ouais, vu que je me rappelle pas de quand il y a une escouade qui se pointe comme là, c'était le parfait exemple, bah forcément je me fais dégommer. Oh putain, il y a des grenades de partout. Oh, mais non, mais... Lui, avec son lance-flamme, hein, il va se mettre... hein, où je pense. On va faire des grillades du SS, je crois. Putain, pourtant, c'est pas un niveau compliqué, y a pas de grosses bestioles, c'est juste des ennemis. Mais je sais pas, je joue carrément mal, je sais pas. Sinon, c'est parce que j'ai envie de foncer, j'ai l'impression. Sauf que je fonce comme une merde et du coup bah ça paye pas et ça fait l'inverse. Au lieu de gagner du temps, j'en perds. Bon, un de moins. Hop là, voilà, il y a les autres qui débarquent. Bon, j'ai envoyé une grenade flash, mais elle n'a pas servi à grand chose. Hey, ils sont vachement résistants, hein. Voilà. Fasse attention parce que c'est surtout les lance-flammes en fait. Ah merde, j'ai plus de balles. Je vais leur finir au fusil à pompe. Ça va péter. Voilà. Ah merde, j'ai plus de balles partout. Ça m'a fait chier. Voilà. Ah, c'était chaud là, j'avais plus de balles, ça m'aurait fait chier de crever encore. Bon, ça va peut-être aller, là on arrive au bout. Faut aller où là? Je suis blessé. Ah, il en reste à tuer encore. Cherchez l'épreuve, voilà. Ça fait un paquet de lignes électriques reliées à un espace vide à des dizaines de mètres sous terre. Écho 6. Très bon travail. Vous avez trouvé un labo d'Umbrella dont nous ignorions l'existence. Votre mission est de le localiser et de l'infiltrer. Voilà, enfin. Putain, je suis mort 11 fois. Ah ouais, quand même. Ah, je suis choqué, là. Je pensais être mort 5-6 fois. Et donc, on compte pas les morts, là-dedans. Et pourtant, j'ai pas perdu tant de temps que ça, parce qu'en fait, je fonçais, parce que c'était... Je crois que le temps qu'il fallait c'était 30 minutes et moi j'ai pris 35. Et c'est juste que je suis mort 11 fois quoi. Quand même. Bah désolé d'avoir mal joué, hein. Franchement là je suis vraiment désolé parce que... Je sais pas, bon c'est vrai que je fonce dans le tas donc je fais un peu le kéké mais... Il y a un petit peu le temps qui met la pression, quoi. C'est vrai que toutes les vidéos d'Opération Raccoon City sont longues upload. C'est vraiment ça qui me fait chier. Et encore avant, ça me dérangeait pas trop de faire du 3,5 giga. Même si ça prenait 15-16 heures, c'était pas grave. Mais là, depuis que je suis rentré, ça me fait un peu chier de tout le temps laisser allumer le PC pour upload une vidéo, quoi. Donc, c'est pas pour ça que je pars sur des bases de vidéos qui feront 20 minutes, hein. Là je resterai toujours sur un profil de vidéos longues, ça vous le savez, parce que déjà c'est ce que je préfère, et je préfère que les gens aient des vidéos longues. Après si vous n'avez pas le temps, vous la regardez en plusieurs fois, mais je veux pas que ça soit l'inverse perso. Mais c'est vrai que là je préfère plus calibrer sur du 40 minutes que sur du 50, quoi. Sur ce jeu en particulier, peut-être que les autres ça sera un peu moins long, mais voilà, ça m'embête un peu, quoi.
Mais ouais, ça m'énerve quand même que je joue aussi mal parce que c'est pas forcément dans mes habitudes, j'essaie quand même de jouer à peu près correctement d'habitude, mais là je sais pas. Pourtant même Resident Evil 6, quand dans mes souvenirs, je jouais pas aussi mal, pourtant c'était en découverte totale que là je l'ai fait une fois. Bon, c'est pas non plus beaucoup, mais bon je l'ai fait, donc c'est moins pire que de la découverte en théorie, et là je me fais défoncer quoi. Donc c'est pas tip top. Je sais d'où viennent ces larmes, mais que c'est que ça a découvert des informations indiquant la présence d'un complexe secret d'Umbrella dissimulé dans les rues, sous les rues de Raccoon City. Sa mission est de localiser l'entrée secrète de ce complexe. Alors il me semble que dans ce chapitre-là, on va croiser Birkin. Donc ça va être assez sympa. Mais là, je vais arrêter de faire des vidéos à la chaîne. Je vais faire une petite pause, voire même je vais arrêter pour aujourd'hui. Parce que j'en ai fait pas mal, je pense. Puis je reprendrai demain parce que là, franchement, non, je joue trop mal. Hein, c'est pas terrible. Bref, on verra ça plus tard. Mais ouais, franchement, là, je suis un peu déçu de ma, entre guillemets, ma pseudo-performance, que j'ai joué comme une merde, mais je suis vraiment désolé. C'est-à-dire, je me répète, mais c'est quand même assez important pour moi. J'essaie toujours de jouer à peu près correctement. Et là, je sais pas où, c'est peut-être parce que pourtant, bon, j'ai fait des vidéos à la chaîne, donc je me suis entre guillemets échauffé et réhabitué au gameplay, je sais pas, en théorie. C'est peut-être parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, je sais pas, mais je joue pas terrible en tout cas. Bon, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine vidéo. Déjà, là, je pensais faire mieux après la catastrophe Nemesis, mais j'ai fait pire, parce que je suis mort 11 fois. L'autre, je sais même plus combien, mais c'était 4-5 fois, je crois. Je crois, il me semble. Donc, ouais, c'est pas tip-top tout ça. Je regarde les galeries vite fait pour voir où j'en suis. Parce que pendant le walkthrough, j'ai débloqué pas mal d'images. Je vous les montrerai peut-être dans la dernière vidéo. Après, je vous les montrerai rapidement. Parce que comme vous voyez, là, il y en a plus de 100. Hein. Et j'en ai déjà débloqué pas mal. Ah, je les ai tous débloqués. Ah, bah c'est cool ça. C'est la dernière fois que j'avais regardé, j'avais pas tout débloqué. Donc ça, c'est pas mal que je vous ai tout débloqué comme ça. Je vous les montrerai bah, tous, du coup. C'est à la base, je comptais pas tous vous les montrer, vu que j'avais pas tout débloqué. Je me suis dit, oh, tant pis. Hein. Mais là, vu que je les ai tous, ça pourrait être pas mal pour la vidéo suivante. Donc je m'arrête là, parce que si je me fais chier à, entre guillemets, mal jouer et courir vite pour faire des vidéos courtes et que je parle derrière, tout ce que j'ai fait, ça sert un petit peu à rien si je fais des vidéos longues en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter. Bon, je pense que vous n'allez pas être méchant à dire que je suis nul à ce point-là. À moins que c'est pour me taquiner, je pense pas. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment joué comme une merde de ce côté-là. Après, niveau scénario, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc on verra bien si vous avez de l'imagination dans vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Puis je vous dis à la prochaine donc, pour le chapitre 3. Des Spec Ops. Allez, à plus.